When it comes to Africa, I'm sure many people in this audience will have made the same observations. I think we must take responsibility and accept our failures in dealing with these matters. For example, relating to what President Obasanjo has just said on the case of Boko Haram, or you can use that for many other cases. For me, when I'm watching on television and I find our leaders who should have been working together all along to address these problems that commonly affect their countries, wait until they are invited to go to Europe to sit there and just, you know, it's like they are made to sit down and address their problems. Why does anybody wait for that? What image does it even give about us, about Africa? In fact, the image it gives is that we are not there to even address these problems. We are there for a photo opportunity. We are happy to sit there in Paris with the president of France and address and just talk about addressing problems. It doesn't make sense that our leaders cannot get themselves together to address problems affecting our people. It doesn't make sense. Do you think that justice... Pensez-vous qu'il y a une différence entre justice et vengeance? Oui. C'est différent. La vengeance est parfois justifiée, mais ce n'est pas la justice. La justice, c'est autre chose. La justice aide les ennemis à faire la paix. Alors que la vengeance ne permet pas de tourner la page. Elle n'engendre que la vengeance. Et on se retrouve dans un cercle vicieux. Vous défendez cette position malgré les victimes dans votre famille? Oui, j'ai perdu de nombreux membres de ma famille. Quand Paul Kagame est devenu président en 2000, il a lancé un programme national de réconciliation pour refermer les plaies du génocide. Vous vous êtes attelé à la réconciliation qui n'avait pas eu lieu avant. Nous savions qu'il serait impossible d'avancer sans mettre fin à la politique de haine. Et de séparation. Oui, de séparation et de division. Il fallait essayer autre chose. On a décidé de dépasser nos différences pour vivre et travailler ensemble. Donc, vous enseignez à la population à pardonner et à dépasser l'idée de vengeance. Comment faites-vous ? Nous devons faire quelque chose pour que les gens puissent construire l'avenir en étant optimistes. Nous sommes allés chez nos concitoyens. La réconciliation, c'est comme une conversation. On a ouvert le débat en disant « On peut très bien assigner des responsabilités, mais ça ne nous aidera pas. Ce qu'il faut, c'est être réaliste et raisonnable. »